Mec, je crois que je suis amoureux de cette fille. Bah, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, fonce. T'es fou, elle va me trouver ridicule. Mais tu vas pas y aller comme ça, tu vas au moins lui apporter un cadeau. Et quoi comme cadeau? Je sais, tu vas lui apporter un bijou, mais genre un vrai bijou avec les vrais diamants et tout. Les filles adorent ça. Et je vais me payer comment ce diamant? Je connais un gars, mais je voulais pas t'en parler, mais ça paye bien, il pourrait t'aider. Si je te passe son numéro, et il te dira quoi faire si tu veux. Et tu y vas, tu dis que c'est moi qui t'envoie, et il te dira quoi faire. Ouais, vas-y. Allô, j'appelle de la part de Fazine. Il m'a dit que vous me pourrez filer du travail. Oui. D'accord. Pose pas de questions, tu le prends, tu vas le donner à Hakim demain ici à 14h, au même endroit. D'accord, et l'argent? Ne t'en fais pas, si tu fais bien le boulot, tu auras beaucoup d'argent. D'accord. Ah, voilà le revenant. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, c'est bon. Ça va pas? Si, ça va. D'ailleurs, j'ai le bijou. Trop bien! Par contre, je vais arrêter tout ça. La livraison et tout là, ça, c'est cher. Quoi? Non. Je ne peux pas arrêter comme ça. En plus, ça rapporte beaucoup d'argent. Et si on se fait choper, ça craint? Non, t'inquiète, il n'y a aucune raison qu'on se fasse choper. Bon, allez, j'y vais. Ok, voilà, voir. Ne te compte pas, hein? D'accord. Oui, allô? Je pense qu'on a un problème avec Adèle. Oui, je pense qu'il va balancer. Ok. Je vais voir ça. Mec, c'est foutu avec Doudina. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai travaillé, j'ai acheté ce putain de bijou. Mais ça ne servait à rien, et même quoi.